Le directeur de campagne du Parti pour le développement et la solidarité sociale dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil pour le compte des élections locales du 26 août 2023 continue sa mission dans cette circonscription électorale chère aux bâtisseurs en chef, Maître Séraphin Ndao Rimbongo. Ce 7 août, il était à sa 10e causerie politique pré-campagne dans le cadre de la présentation des 18 colistiers aux habitants du 4e. Pour cette 10e sortie, c'est la colistière Gisèle Rokita qui a été présentée à sa famille biologique et à son entourage ainsi que les autres colistiers et la tête de liste Colette Madungu Mburu, affectueusement appelée Coco Lilis, au quartier Fimparbé Salsa à la Plaine. Il s'agissait de confirmer la présence de la bâtisseuse Gisèle Monique Rokita auprès de sa famille, ses amis et connaissances. Dire qu'elle continue toujours le combat aux côtés de Maître Séraphin Ndao Rimbongo. Parce que beaucoup, après une élection, changent. Donc il était question de venir confirmer auprès des siens qu'elle est toujours partante avec notre champion, notre bâtisseur, le grand bâtisseur, Maître Séraphin Ndao Rimbongo. Fidèle à son engagement politique qu'est le social aux côtés de son président Maître Séraphin Ndao Rimbongo, la bâtisseuse Gisèle Rokita a adressé un message fort à son entourage. Simplement dit à la population de ne pas se tromper. Que vous avez quelqu'un qui pense à vous comme le président du PDS, Maître Séraphin Ndao Rimbongo, il ne faut pas le décevoir. Il ne faut pas aller chercher des cuisses de poulet, des 5000 francs au passage, qui ne nous grandit pas. Qui ne nous grandit pas. En fait, nous sommes un tout petit peu chosifiés. Et ce n'est pas bon qu'on nous appelle récupérer quelque chose, qu'on appelle la population, récupérer 5000 pour faire passer des gens qui ne vivent même pas avec nous dans l'arrondissement, qui ne traversent pas les misères que nous traversons. Nous avons les pieds dans l'eau. Encore 4 colistiers à présenter aux populations du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil en attendant l'ouverture officielle de la campagne pour dévoiler le projet de société autour du slogan, je cite, « Au 4e, osons autrement, 2023, c'est pour nous ».